gars, on a fini pour aujourd'hui là. Les planches qui est dessus, c'est pas fixé, hein, c'est juste pour voir des trucs. Mais en gros, aujourd'hui, on a mis le rondin là. Celui-là, celui-là, et celui tout là-bas au fond là. Voilà, tiens, il va tomber. Et on a mis les renforts aussi, quoi, comme vous voyez là. Regardez. Etienne, il fait le ninja. Là, voilà. Là, 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 et là. Et voilà. Ça tient bien, hein, c'est bien solide. Hein. Ouais. Faut bien baiser le meuf dessus. Et du coup, et bah, y a plus qu'à faire le plancher après. Enfin, remettre quelques poutres et après, on fait le plancher. Voilà, avec des planches comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Ouais. Voilà, voilà. Au courant, j'en y va. Bon les gars, aujourd'hui j'ai oublié la carte. Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui j'ai oublié la carte SD de ma GoPro. Du coup bah on va devoir filmer au téléphone et je vais pas pouvoir vous faire de time lapse parce que je sais pas comment caler mon téléphone en fait. Genre ça fait un trop petit truc. Mais il est con lui. Du coup aujourd'hui on va fixer des barres là. En gros on en a déjà mis une là. J'ai déjà enfoncé bien nos petits trous. Voilà, faut faire. On a fait un trou dans le bois. Tadiane! Le bois et pour enfoncer une tige qui va dans le sol après pour bien que ça tienne. Ouais, et du coup, il faut qu'on en sur tous les bastins là. Pour ceux qui comprennent, je préfère les petits trous. Et du coup, après, on va mettre des planches comme ça. Comme ça là. Voilà, on va les mettre dans. Arrête, on va les mettre dans ce sens, mais genre entre les trucs. Genre. Ouais, voilà. Et on va en mettre là. Et en gros, on va mettre 2 ou 3 là. Plutôt 3, je pense. 3 sur les rangées et 3 de partout en gros. Voilà. Du coup, bah go. Et puis je vous filmerai quand ça aura avancé quoi. Parce qu'on n'a pas oublié la carte SD comme des trucs. Ouais les gars, donc en gros là, on a Étienne, il a fait 4 encoches. Genre celle-là là. Et en gros, voilà, on va mettre des planches à chaque fois. Yes, le paquet de vis. Donc on va mettre des planches à chaque fois comme on a fait ici. Vous voyez, on a déjà mis 2 là. Hop, une là. Vissé. Et on va mettre le plancher par-dessus après. Ce sera assez costaud vu qu'elles sont dans ce sens. Ce sera plus costaud que si elles étaient dans l'autre sens quoi. Ouais, alors que dans l'autre sens, ça se plie pas du tout. Voilà. Donc on va en mettre 4, une là, une là, une là, et on a déjà mis une là. Et on va faire ça sur tous les trucs. Et voilà. Donc on a mis les tiges qu'on vous avait fait voir tout à l'heure là. On les a mis sur tout. Et donc ça évite que ouais ça parte dans le rasin là-bas. Voilà. On reprend plus tard. Bon les gars, du coup là voilà, on a mis les 3 premiers. Là, là et là. Et on a mis les 2 planches dessus, elles sont pas fixées. En fait c'est juste pour voir si si c'est bien le niveau en gros. Faut que ça touche de partout. Voilà, là ça touche de partout donc c'est que c'est bon. Et maintenant il nous reste une planche à foutre ici là. Donc Étienne il est en train de creuser pour qu'on puisse la mettre. Voilà. Et après on aura fini cette partie. Donc après ça il en reste plus que 4. 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc c'est parti, on refilme, on vous donne des nouvelles après. Bon, voilà les gars. Donc on a fini toute la première partie là, là. Avec les renforts et tout. On a presque fini la deuxième, il manque plus que les renforts dans ce sens. Et après, tout là-bas, il reste. Voilà les gars, j'ai filmé la dernière partie de la vidéo. C'est une story Instagram parce que j'ai oublié de filmer la fin en plus.
C'était un peu à l'arrache cette vidéo vu que j'avais oublié ma carte SD, donc désolé, mais bon, je vous l'ai quand même sorti parce que sinon vous auriez raté un moment de la construction de la cabane, donc voilà.